Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous êtes en forme. Là, c'est une petite vidéo pour vous présenter un junk sur le thème des fées. Voilà, ce junk il est destiné à Caroline. Alors, pas la même Caroline, pas Made by Slocaro, une autre Caroline. Donc, il est destiné à Caroline et donc je vais vous présenter ce que je lui ai fait. Ce que je lui ai fait. Oui, bon, ouais, bon d'accord. Bon, c'est petit, je sais. Mais donc, c'est sur le thème des fées. Donc, du coup, voilà la couverture. Alors, il y a San Chung et je lui ai fait deux livrets. D'accord? Deux livrets. Donc, voici la couverture. Donc, au bonheur des fées. Hein. Alors, c'est des fées, les fées du ciel. Enfin, les fées du ciel. Oh, ce soir, c'est très fort. Et donc, chaque fée a une couleur différente. Et donc, j'ai représenté les fées par des fleurs. Chaque fleur a la couleur de leur fée. Et chaque pierre a la couleur de la fée. D'accord? Donc là, ça, c'est le devant, bien sûr. Vous l'aurez remarqué. Tout est cousu. Hein, j'ai tout cousu. D'accord? J'ai tout cousu. J'ai fait passer des feuillages argentés, etc. Pour vraiment faire très... voilà, très... C'est l'effet du, c'est le ciel alors, vous voyez, c'est donc voilà, hop, ça c'est la tranche. Je lui ai fait un petit charme, c'est pareil avec des petits rubans aux couleurs des fées, hein, parce que je voulais vraiment que tout soit en harmonie. Donc j'ai accroché deux petites breloques, hein, un petit papillon et un petit cœur. Évidemment, ce charme, il se retire, il est accroché à un œillet sur la tranche. Je suis restée dans les couleurs bleu, bleu pâle, bleu ciel, ben bleu. Pour être vraiment toujours dans les couleurs du ciel. Voilà, vous l'aurez compris. Hein. Donc du coup, le derrière, bah, c'est d'autres fées avec d'autres couleurs. Hein. Elles ont d'autres couleurs, celles-ci. Donc il y a la verte, il y a la rouge, il y a la jaune, enfin bref. Et pareil, les pierres, chaque pierre représente la fée. Hein. Vert, bleu, rouge, jaune. Voilà. Voilà pour la couverture. Ok. Donc j'ai fermé ce junk avec un ruban dans les tons bleu ciel. Voilà, et un petit bleu marine pour que ça tranche un peu. Et donc, voilà le junk. Alors, je l'ai pas beaucoup agrémenté. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est pas mon junk à moi. Et en fait, il est destiné à être rempli par Caroline. Et donc, comme c'est son junk, eh ben, elle y mettra ce qu'elle veut. Elle fera ce qu'elle veut. Et c'est à elle de l'agrémenter hein, avec ses choses. Hein, avec ses choses. Donc voilà, donc quand on l'ouvre, il y a donc deux livrets, comme je vous le disais. Chaque livret est fermé avec une ceinture. J'ai fait des ceintures et fermé avec un ruban. Hein. J'ai fait un premier livret où c'est plus axé sur les fées, on va dire. Et le deuxième livret, plus sur la forêt enchantée, la forêt enchantée, voilà, la forêt enchantée. D'accord? Pardon, j'ai mal à la gorge, c'est horrible. Donc du coup. Alors, on l'ouvre comme ça avec un ruban. Hein, je vais le défaire, hop, comme ceci. Alors, le premier livret, donc, comme je vous le disais, c'est les fées. Hein, donc, une image de fées, bien sûr. Et là, on peut déjà commencer à y ranger des choses. Hein, voilà, j'ai fait des pochettes, des pochettes, des pochettes. Voilà, hein, des pochettes. Et donc, c'est pareil, c'est tout cousu à la machine. Voilà. Et tous les papiers, tous les papiers sont colorés au thé, au café, à l'avocat. Hein. Donc chaque feuille est teintée. Donc là c'est pareil, j'ai fait une couverture qui est cousue, hein, qui est cousue à la machine et qui est ben, où elle range des trucs quoi. Hein, d'accord? Là c'est des feuillages, des découpes de feuillage, lierre qui rappelle le dessin qu'il y a sur l'image. Là donc j'ai fait une pochette en crochet, toujours pareil, cousue. Hein, cousu sur la page avec des dentelles, etc. Une enveloppe pour qu'elle y range ce qu'elle veut, hein, d'accord. Une autre petite enveloppe, hein, toute dentelée, où elle mettra aussi ce qu'elle veut. Et puis après, il y a beaucoup de pages pour écrire, bien sûr, hein, c'est le principe, c'est d'y marquer, d'y mettre des souvenirs, etc. Et de faire ce qu'elle veut. Hein. Donc là, il y a pas mal de pochettes. Voilà, hein. Après, ben, il n'y a rien de spécial. Là, j'ai fait aussi une pochette latérale comme ça avec des petits carrés où elle met ce qu'elle veut. Voilà, des papiers teintés, toujours pareil, hein. Ben, junk quoi.
Voilà. Donc j'aime bien aussi mettre des pages perforées parce qu'on peut aussi y accrocher des choses, hein. Des petits souvenirs, des petits bouts de je sais pas quoi qu'on trouve, des bouts de laine, de je sais rien, je sais pas. Enfin. Là comme ça j'ai pas d'idée, mais en tout cas ça permet d'accrocher des choses, quoi. Donc des pochettes, toujours des pochettes. Voilà, des feuilles. Elle écrit, voilà. Là c'est pareil. On a des petits rangements, hein, pour hop, mettre ce qu'on veut. Voilà, hop. Voilà. Voilà une pochette en dentelle. Voilà, avec des petits napperons, des empreintes de napperons. J'ai fait pas mal d'empreintes, j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait très junk, c'est joli. Donc voilà. Rien de. Là c'est pareil, hein, il y a des pochettes. Il y a beaucoup de pochettes. Elle m'avait demandé pas mal de pochettes. Donc voilà. Hop. Là c'est le milieu du premier livret, hein, avec un petit die-cut avec des directions. Voilà, j'aime bien ce petit truc. Voilà, c'est assez simple, mais c'est mignon. Des pages, toujours des pages avec des empreintes. Voilà, toujours, bah, toujours des pochettes. Hein. Voilà, des pochettes avec des onglets si elle veut marquer. Je sais pas si elle veut faire des onglets pour tel ou tel truc. Des dentelles. Et voilà, on continue. Voilà, hop. Hein. Bon, c'est assez, voilà, classique, quoi. Hein. Des pages et puis des pochettes. D'accord? Voilà. Alors, elle s'amusera à le décorer elle-même. Hein. Voilà, hop. Voilà, et là on arrive à la fin du dernier, du premier livret, là. Hein. Tout est cousu, hein. Tout est cousu, tout est cousu. Là, je fais un petit coucou à ma petite Cat-Neuve. C'est elle qui m'a offert ce magnifique découpe de papillon. Il est sublime. Et du coup, je trouvais qu'il allait trop bien avec ce junk et je l'ai mis. Je l'ai mis, voilà. Super contente, il est magnifique. Donc voilà, et puis donc là, bah, la dernière page du premier livret, bah, c'est pareil, des pochettes cousues à la main, hein, avec évidemment des petites dentelles aussi. Il y a des dentelles, il y a tout ça, hein, des dentelles. Ça c'est le premier livret. Le deuxième livret, donc, hop, là c'est des papillons. Hein. C'est la forêt avec des petits champignons. La forêt enchantée, c'est pareil, c'est cousu bien sûr. Voilà, et là c'est pareil, elle peut y glisser plein de trucs. Voilà, hop. Voilà, des pochettes, du papier. Voilà, je passe rapidement. Après, j'ai mis des petites décos. Ouais. N'en ai pas mis trop des décos parce que là, pour la démonstration, pour la présentation, pourquoi? Parce que je lui réserve quand même quelques surprises et j'ai pas envie qu'elle les voie tout de suite. Donc voilà, je voulais surtout montrer la structure, toutes les feuilles, tout ce qu'elle peut faire. Il est quand même assez gros, hein. C'est deux livrets, il y a beaucoup de pages quand même. Hein. Donc elle peut vraiment vraiment s'amuser. Hein. Donc voilà, hop, des pochettes, tout cousu. Hein. Je trouve que ça fait super. Enfin moi j'aime bien, je trouve que ça fait très junk les coutures sur les pages comme ça en papier. J'adore mélanger la couture et le. Donc là une autre pochette en crochet, hein, cousue aussi, toujours pareil, cousue. Et je laisse volontairement, voilà, volontairement les coutures parce que j'adore. Je trouve que ça fait junk. Voilà. Des pages, des pages, toujours des pages, le centre du milieu, là, des pages, toujours des pages. Je ne vais pas vous montrer toutes les pages, c'est des pages, hein, à remplir avec des pochettes en permanence, cousues, toujours cousues. Voilà, j'ai voulu que ce soit très. Voilà, hop, hop, hop. C'est vrai que des pochettes, toujours des pochettes. Donc la dernière, ah, j'ai rappelé encore les champignons. Et puis elle peut y ranger des choses. Et voilà, et voilà. Donc on le ferme, donc toujours pareil avec les rubans. Et puis c'est fini. Comme ça, elle n'est pas obligée d'ouvrir les deux livrets. Et puis quand il y en a un qui est terminé, ben, elle peut le fermer. Et puis bon, enfin, fermera ou pas, mais elle fera bien ce qu'elle veut, ma petite Caroline. Et mon autre petit ruban. Oh mince! Oh, je vous jure, il n'y a que moi pour faire ça, c'est drôle. Hein? Voilà, hop, hop. Voilà, je ferme comme ceci. Voilà. Donc, comme je vous le dis, je n'ai pas mis tout ce que je veux mettre dedans. Pourquoi? Parce que je lui réserve quand même des surprises. Et si elle regarde la vidéo, j'espère bien qu'elle va la regarder, hein, parce que c'est pour elle, eh bien, j'ai pas envie qu'elle voie tout quand même. Voilà.
Donc, je veux qu'elle ait des surprises. Alors, donc, je mettrai des photos sur Instagram quand il sera vraiment qu'elle aura reçu. Hein. Et là, je mettrai des photos ou une petite vidéo vite faite pour le montrer définitivement terminé. Si j'y pense, parce que je fais tellement de choses que des fois je peux oublier. Hein. Je dis que je vais faire. Mais c'est pas que je le fais pas ou c'est pas, c'est que j'oublie. Hein. Donc voilà. C'est joli. Enfin, c'est joli. Non, c'est pas que je me fais des fleurs du tout, hein, mais du tout parce que les. Ah, voilà. Le principal, c'est que ça lui plaise. Voilà. Qu'elle s'amuse avec parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire dedans. Voilà. C'est quand même deux gros livrets. Je répète, mais il y a de quoi faire. Hein. Et voilà. Au bonheur des fées, et fait. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette petite présentation de mon petit junk, enfin, mon petit junk, de mon grand junk, vous aura plu et vous montrera ce que je fais des fois. Hein, je fais, voilà. Et puis, voilà. En attendant le prochain tuto, prochaine vidéo, eh bien, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une belle soirée. Et puis, toujours, surtout, prenez soin de vous. Allez, bisous, bisous. À bientôt.